on va demander aux jeunes rafteurs ce qu'ils pensent des kayakistes qu'ils ont vu naviguer. Donc le premier c'est Maxime, on va lui demander donc est-ce que des sentiments par rapport à la navigation au kayak. Ouais, ça avait l'air assez facile. Facile. Ouais, t'as raison. Ouais, ça avait l'air. Donc ça veut dire que demain tu prends un kayak alors. Dans quelques temps peut-être. L'année prochaine. Ouais. Ok, ça marche. Qui à Laura. Laura. Elle a eu erreur. Alors. Comment ça t'a. Est-ce que ça t'a donné envie de pagayer dans les grosses vagues? Pas trop. Pourquoi? Ça a l'air. Voilà. Par contre, ça paraît difficile. D'accord, et toi Anto? Bah moi, comme Laura, difficile et aussi avec les grosses vagues. Alors il faut dire qu'Anthony n'a pas trop dormi cette nuit, parce qu'il avait une pasta partie hier soir. Ça fait une... Oh là là, c'est pas raisonnable ça, c'est pas raisonnable. Il avait dormi, il s'était couché à 2h, donc 2h du mat, pour un jeune homme. On sait pas. Donc moi j'attends les verres. Donc Emilien, interview, comment t'as trouvé en kayak? Ça te paraît comment? Ouais, super. Ce soir j'attends les bières, bien fraîches. Voilà. Tiki, t'as pas amené de bière toi? Si, on a emmené deux. C'est déjà bien. Attends, d'accord. On a deux. C'est pas mal. Et reste moi. Ben, j'ai trouvé cette journée superbe avec mon magnifique kayak rouge et mon kawé. Regarde. C'est un palme mon gars. Oh, il y a un palmier, c'est parce que c'est un palmier ou... Ouais, c'est pour la plage. Des palmiers, c'est un kawé. C'est pas des palmes qu'on met au pied? Non. Nous avons fini l'interview, voilà la baraque à trôner. Ça va? C'est pas mal. C'est mieux en kayak. Voilà, bravo.